Je vous remercie d'être venu dans ma classe. La dernière fois, je suis venue dans votre classe et nous avions travaillé ensemble avec les iPads. Cette fois-ci, c'est vous qui êtes là et qui allez découvrir de nouveaux ateliers. On a invité une classe de CP à venir vivre une expérience de classe un peu innovante dans une configuration qu'ils ne connaissent pas pour suggérer des activités cognitives différentes avec un temps de présentation collectif et de restitution. Il s'agissait de les mettre en action à travers un défi, un challenge qui était de comprendre l'activité du robot sur un tapis, en étant en mouvement, par deux, en collaboration. Ils étaient sur un format qu'ils n'avaient pas forcément l'habitude d'avoir dans une salle de CP traditionnelle. On leur a demandé de produire un album de nombres avec l'iPad. Donc là encore, il y avait de la collaboration et il y avait donc réinvestir des compétences déjà acquises sous un autre format à travers une activité de production. On leur a demandé de réviser une lecture, donc de s'enregistrer pour consolider une lecture qu'ils avaient déjà faite. Donc ils étaient en autonomie. C'est un espace plus concentration, plus individuel, où là on leur demande d'être donc dans une démarche un peu plus réflexive, où ils vont relire. Alors on appuie ici. Et puis il y a l'atelier un peu dirigé avec l'enseignante, où là on était dans du comprendre une notion pas simple, ce qui est une phrase, et ensuite l'élève devait restituer à l'oral individuellement ses différentes caractéristiques, s'enregistrer pour justement consolider et rendre compte qu'il avait assimilé un certain nombre de choses au niveau de la phrase. Une phrase, c'est quelque chose où il y a une lettre majuscule au début et un point à la fin. Bien. Aujourd'hui, avec le numérique, les possibilités se diversifient. L'espace doit faciliter ces modalités de travail. En bougeant l'espace, on bouge la pédagogie, on bouge la posture des élèves et on bouge la posture de l'adulte. Eh bien, bravo, on peut les applaudir.